Ooh, yeah. Ce qui est toujours sympa avec ce genre de jeu, c'est qu'il suffit de quelques notes de musique pour qu'on soit transporté et qu'on ait envie de voir eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit jeu. Et bien là, eh ben ça fonctionne toujours autant. Et je sais pas si vous l'avez vu, on a vu là notre petit perso là qui était en train de faire quelque chose contre l'arbre. Je sais pas quoi, j'ai même pas envie de savoir. Et on a vu un espèce de mouvement bizarre. Bon, je vous rassure, c'est juste qu'il ne faisait... Il ne faisait juste que secouer l'arbre, mais... Vu que c'était caché, on avait l'impression qu'il faisait autre chose. Bref, je vous dis donc bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau test, c'est Bibi 300 et aujourd'hui, nouveau jeu 3DS qui arrivera très bientôt dans votre petite console favorite, en dématérialisé ou en version boîte. Il s'agit d'Animal Crossing New Leaf. Oh yeah. Donc ça arrive le 14 juin 2013, c'est un jeu Nintendo évidemment, donc... Un jeu tout public qui donc sera bien sûr exclusif à la 3DS, hein, ne l'oublions pas. Il y a du solo, il y a aussi un petit mode local jusqu'à 4 joueurs et un mode donc en ligne où on va pouvoir eh bien, carrément en fait voir tout simplement les autres villages eh bien, des autres petits gens. Et ça c'est bien, ça fait plaisir, il faut le dire. Bon allez, on va lancer tout ça et alors j'espère que ça va aller. Donc je vais me concentrer une fois de plus sur l'écran du haut. Vous l'avez compris, sur l'écran du bas, il n'y a pas énormément de choses, je vous montrerai comme ça rapidement. Et donc là, on a Marie. Bonjour Marie, qui est donc en fait notre assistante dans ce jeu et qui va nous aider à la tâche, qui va bien sûr nous expliquer pas mal de petites choses ici et là. On prépare la ville et attention, voyage temporel, c'est parti, prépare la téléportation. Voilà, tout est prêt, Bibi 300. Monsieur le maire, oui, tu peux m'appeler Bibi 300. Alors, un magasin de chaussures a ouvert ses portes. Wouh, super, j'en ai rien à foutre. C'est pas pour moi les chaussures, hein, moi je m'en fous. Avec ça, on va pouvoir peut-être installer des pieds à la tête. Attention les yeux. Ouais, d'accord. Donc là, il faut savoir une chose. Je lance le jeu sans savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Ciboulot! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu es le maire de cette ville. Désolé de débarquer sans prévenir. J'ai une faveur. Allez, direct, sans pitié. Pourrais-tu me donner l'autorisation de m'installer dans la rue commerçante? Bah ouais, ouais bien sûr. Alors là, je vous le voyez pas, mais c'est marqué. Mais c'est génial. Pourquoi faire? Pas question. Je veux dire, mais c'est génial. Bah bien sûr. Bah oui, sans me demander. Hein, je comptais ouvrir. Ah ouais, moi je suis sans pitié. Je sais pas. Peut-être tu vas ouvrir un sex shop. Peut-être tu vas ouvrir un bordel. J'en ai rien à foutre. Eh ben moi je t'accepte. Voilà. Eh ben c'est ça. Le club MDR. Oh putain. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Le club MDR. Oh merde, j'ai recruté un Kikoulol. Oh non. Bon, c'est pas grave. Allez, ah, je t'accorde quand même le bénéfice du doute. Ah, c'est des discothèques. Ok, d'accord. Ok, ça marche, ma poule. Bon, voilà, blablabla. J'ai sur moi une pétition. Ok, donc. C'est toi qui vas t'en occuper, évidemment. Donc apparemment, faut signer une pétition. Tu veux s'entuer avec ça? Fais-le toi-même. Sans blague, ça peut m'aider, monsieur le maire. Je pense que les gens seront plus méfiants. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ça marche. Donc voilà, bah, vous voyez déjà un petit peu les choses. Donc, ils se préparent. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est que, en fait, à chaque fois que tu vas lancer le jeu, bah, il se peut que tu tombes, en fait, sur des trucs que tu n'espérais pas. Comme là, par exemple, je pensais pas du tout, en lançant la partie, que j'allais tomber sur le mec. Et c'est ce qui fait, finalement, le charme du jeu. C'est qu'au final... Eh bien, il peut se passer en fait plein de choses quand on va lancer la partie. Chaque jour, voilà, il va falloir en fait prendre en compte certaines choses. Donc, c'est-à-dire, bon, aller chercher des petits trucs ici et là, voir les habitants, savoir s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, voilà, ce genre de trucs. Et c'est ça aussi qui fait tout l'attrait et tout le charme de ce Animal Crossing. Alors, pour celui qui connaît pas en fait le principe d'Animal Crossing, bah, c'est très simple. Alors, pour résumer assez grossièrement, je dirais qu'Animal Crossing, c'est avant tout... oh, un petit trou. Animal Crossing, c'est avant tout, en fait, une espèce de simulation de vie. Alors, je grossis volontairement le trait, hein, bien sûr. J'ai plus ma pelle? Eh, putain, j'ai plus ma pelle, quoi! Laure à la pelle. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai plus ma pelle. Bon, c'est sympa. Bon, tant pis, je pourrais pas prendre le trou. Enfin, prendre le trou, hein, toute proportion gardée, bien sûr. Et donc en fait c'est une espèce de simulation de vie, on va dire ça comme ça, où en fait tout simplement vous allez diriger un personnage. Et ce personnage, eh bien, va falloir le faire vivre dans cette ville, voilà. Donc planter des arbres, récupérer des fruits, pêcher, prendre des papillons, les amener au musée, parler aux gens, etc., etc. Bah voilà, voilà ce qui va se passer en fait tout simplement dans cette ville. Donc évidemment, bien sûr, j'extrapole volontairement, je grossis très volontairement. Mais bien sûr, ça ne se limite pas à ça, vous l'avez bien compris. Et là, en fait, dans ce jeu, bah, qu'est-ce qu'on a, en fait, comme grosse nouveauté? C'est qu'on est le maire de la ville. Eh oui, eh ben, d'ailleurs, on va y aller, justement, à notre petite maison. Enfin, c'est même pas la maison, là, c'est carrément, en fait, la mairie. Voilà, la mairie de la ville, en fait. Et c'est là où, en fait, va se regrouper toutes les tâches que l'on pourra faire, tout simplement, dans la ville. Eh ben, là, en train de pioncer. Eh oh, on se réveille, là. Espèce de feignasse. Non mais c'est pas possible. Donc là vous voyez par exemple ça, en règle générale, je n'avais pas le droit à cette scène. Parce que d'habitude elle est, voilà, elle est là, ce n'est pas ce que vous croyez. Elle est là, tu vois, elle est pas assoupie ou quoi que ce soit. Et ben voilà, c'est ce genre de truc que moi j'adore. De toute façon, il faut savoir que la dimension sociale dans le jeu, mais elle est vraiment très développée. Il y a beaucoup de choses à faire et je trouve que ça c'est vraiment bien. Et à chaque fois qu'on va justement... eh bien, parler aux gens, il va se passer plein d'événements. Va falloir, par exemple, aller récupérer des poires ou des objets pour certains. Va falloir apporter des cadeaux, en fait, pour les donner à d'autres habitants. Récupérer des poissons ou ce genre de trucs. Donc, voilà un petit peu ce qui va se passer. Et c'est ça qui est bon. En tout cas, c'est vraiment développé. Et c'est ce qui donne envie, finalement, de revenir à chaque fois dans le jeu pour pouvoir, justement, accentuer ce côté social. Et bah, c'est vraiment, je trouve, un des points forts du jeu. Donc là, pareil, vous ne le voyez pas, donc je vais juste, hop, pencher un petit peu. Donc là, vous voyez, hop, le petit menu. Vous voyez, c'est très basique, hein. Donc là, j'ai le choix. Justement, je suis maire de la ville. Donc là, j'ai le choix entre prendre des arrêtés ou prendre, en fait, d'entreprendre des travaux publics. Alors, les arrêtés, il faut le savoir, malheureusement, il n'y en a pas énormément. En tout cas, là où j'en suis, je trouve qu'il n'y en a vraiment pas énormément, puisqu'il n'y en a que 4 en fait tout simplement. Donc vous le voyez, il faut verser 20 000 clochettes pour justement mettre en place un arrêté. Et donc je vais vous montrer un petit peu la liste des arrêtés tout simplement. Donc voilà ce que vous avez. Donc vous avez tout d'abord le charme de la ville. Donc moi c'est ce que j'ai mis. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez... montrer entre guillemets l'aspect joli de la ville avec donc des fleurs qui fanent beaucoup moins rapidement, les habitants qui vont donc du coup prendre plus de temps pour les arroser, elles vont aussi tout ce qui est mauvaises herbes, eh bien ça, il y en aura de moins en moins, et il y aura des arbres qui vont venir de plus en plus dans la vie, etc., etc. Donc vous avez compris que ça repose sur ce côté-là. Ensuite, l'heure du lever, l'heure du cocher, c'est très simple. En fait, c'est justement pour gérer les horaires d'ouverture et de fermeture des différents commerces. Bon, c'est pas très intéressant honnêtement. Et l'économie de la ville, donc je crois que ça rapporte en fait un pourcentage sur les ventes ou les achats, je sais plus exactement. Mais voilà, je veux dire, il n'y a que ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... c'est un petit peu... comment dire, c'est un petit peu pas beaucoup. Non, c'est vrai que c'est très mince hein, au niveau du nombre d'arrêtés. Je sais pas si on en débloque après, mais honnêtement, je pense pas. Donc voilà, et ensuite, vous avez... les travaux publics. Eh oui, on va pouvoir construire des choses, mon Dieu! Donc là, je peux pas, en fait, vous montrer la liste, puisque tout simplement, je suis déjà en train de mettre en place une construction. C'est un campement, en fait, que je mets en place dans ma ville. Et donc là, du coup, je peux pas vous montrer. Donc des travaux publics, on en a de toutes sortes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, mettre des lampadaires, des ponts, on va pouvoir mettre, notamment, j'ai mis une fontaine, avec bataille juste à côté. Donc là, ça va permettre comme ça d'embellir un petit peu plus la ville. Donc c'est très bien, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Bon, pareil, il n'y a pas non plus énormément de construction à faire. Je sais pas si on en débloque par la suite, mais c'est vrai que il faut quand même le dire, ça se bouscule pas en portillon, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, par contre, c'est vrai qu'il fait un putain de temps de merde. Je suis désolé, hein, j'aurais bien aimé justement que le temps soit avec moi. En plus, le pire, c'est que je fais cette vidéo le matin, il fait beau. Il fait beau chez moi, quoi. Et dans le jeu, il fait pas beau. Ça fait chier, ça. En plus, à chaque fois, les autres jours, il faisait beau. C'est vrai que c'est quand même assez chiant. Ouais, vas-y, allez, vas-y, signe, allez, vas-y. Prends ton petit crayon et signe sur le papier. Voilà. Et vous avez vu les habitants, c'est bien, c'est que ils sont vraiment différents. Ils ont vraiment leur, comment dire, leur petit truc en plus, tu vois, leur discussion. Il y en a qui sont un peu grincheux, il y en a qui sont toujours en fait heureux ou quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment excellent. Lui, par exemple, c'est un gros grincheux, celui-là. Mais je le trouve énorme. Ah, là, ma petite maison. Tiens, je vais vous montrer ma petite maison, justement. Donc, pareil. Faut savoir une chose, quand tu arrives dans la ville, bah forcément t'as pas de maison. On te dit voilà, vous êtes maire de la ville, eh ben vous démerdez. Donc là du coup tu te dis bon bah ok d'accord. Donc là il va falloir construire votre maison. Donc au début vous avez une tente, il faut le dire. L'objet hein, pas la personne, mais l'objet, la tente. Et donc vous devez récupérer 10 000 clochettes pour commencer en fait le prêt de votre maison et donc la construction de votre maison. Et ensuite, bien sûr, dès que votre maison est construite, il va falloir rembourser le prêt qui augmente un petit peu plus forcément à chaque fois que vous allez agrandir votre maison. Donc voilà ce qui se passe. Voici un petit peu ma maison. Donc vous voyez que bon, c'est pas très... Bon, c'est un peu le bordel. Hein. Moi, personnellement, les rangements dans ce genre de jeu, je sais jamais comment faire. Donc vous voyez que c'est un peu le bordel. Là, par exemple, il y a un chiotte. Là, il y a une espèce de petit lavabo. Avec des plantes juste à côté. Bon, c'est sûr que c'est pas très glamour tout ça. Un service à thé. Là ici de ce côté-là, j'ai une espèce de petite horloge. Donc bien sûr, vous pouvez bouger la caméra. Hop, voilà, comme ici, comme ça on voit mieux. J'ai un vase rouge. J'ai un petit chien là justement ici. Quand on appuie, boum, là il y a la lumière qui se met, c'est magnifique. Une machine à écrire. Et là évidemment, alors ça c'est le summum du summum, des objets qu'on peut récupérer de l'univers Nintendo, notamment en récupérant des espèces de comment on appelle ça, des trucs de la chance là, des espèces de gâteaux que tu manges. Et quand tu vas les manger, t'as un petit mot. Et le mot en fait, dès que tu le donne donc à Méli-Mélo, parce qu'il y a Méli et Mélo, eh bien l'un ou l'autre, eh bien il va te donner un objet, et souvent ce sont des objets tirés de l'univers de Nintendo. Donc là par exemple j'ai eu un œuf de Yoshi, donc évidemment quand on appuie dessus, voilà, la petite pièce, voilà, l'épée, alors ça je suis super content de l'avoir, attention. Bon bah voilà, l'étoile. Très sympa. Et le Metroid. Donc on n'entend pas beaucoup, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est ma petite maison, et on va aller voir l'étage, puisque j'ai réussi en fait à avoir un étage dans ma maison. Donc là, beaucoup plus petit forcément. Et voilà ce qui se passe. Donc j'ai mon petit lit, j'ai le petit truc robot juste là, voilà, et... Bon, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Non, franchement, c'est vrai que c'est pas mal. De toute façon, c'est vraiment l'un des objectifs à réaliser dans ce jeu. Et c'est vrai que des objectifs, on va en avoir quand même pas mal dans le jeu. Surtout au début, on va te demander de récupérer ci, de récupérer ça. Notamment quand tu vas devoir faire les arrêtés, les travaux publics. En fait, il faut savoir que... tu vas devoir d'abord augmenter ta cote de popularité à 100%. Et pour ça, donc, il faut essayer de parler à un maximum d'habitants. Il faut essayer notamment de... oh, j'ai peut-être un petit message. Ouais, il y a un petit oiseau, donc il y a un message. Alors, aujourd'hui, votre boutique Méli-Mélo rouvre ses portes sous un autre nom, la Supérette Méli-Mélo. Ok, d'accord. Bah, je l'ai vu hier, justement. Ça c'est un truc que j'ai adoré aussi. En fait, on va aller dans la rue commerçante. Et la rue commerçante, en fait, il se passe pas mal de choses. Bon, il n'y a pas énormément de choses, faut quand même le dire, hein. Donc, pareil, je sais pas si ça évoluera par la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, de là où j'en suis, puisque ça va faire à peu près quand même 3 semaines, 1 mois que je suis sur le jeu, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de choses. Donc voilà la supérette Méli-Mélo. Donc c'est la rue commerçante en fait que vous avez. Je vous montre un petit peu l'écran du bas. Et voilà en fait. Hop là, attention. Voilà en fait donc la rue. Donc vous voyez qu'en fait ici en bas l'écran tactile sert à afficher les différentes infos donc que vous avez sur le moment du jeu. Donc là par exemple évidemment ça me permet de voir tout ce que j'ai dans mon inventaire avec les lettres notamment que j'ai reçues, les différents objets que vous allez récupérer. Donc évidemment la priorité absolue c'est de récupérer le fil à papillon et la pêche et la canne à pêche et la pelle pour pouvoir récupérer un maximum de choses. Là c'est une combinaison, et oui, et la combinaison elle sert à quoi? Elle sert à nager. Et ça, c'est bon. Ah ouais, très bonne nouveauté du jeu, franchement, la possibilité de nager et donc de récupérer évidemment tous les objets qu'il y a dans la mer. Et c'est très bien. Là, ici, c'est un espèce de mégaphone pour parler aux habitants plus facilement. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est des petits dessins qu'on peut avoir et qu'on peut mettre tout simplement. Ici, ce sont en fait tous les... papillons, poissons que vous allez récupérer. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un bon paquet, et vous voyez que bon, je n'ai pas encore tout débloqué. Donc vous voyez, hop, regardez-moi ça, oh là là. Et là, attention, regardez-moi tous ces tous ces petits, ces gros trucs là, vous voyez, hop, si on regarde ici, eh bien voilà. Un requin, j'ai récupéré notamment, c'est un poisson ruban. Ensuite, donc le colacanthe, ici le requin-ci, là c'est quoi là, le marlin bleu. Je suis bien content, c'est surtout de ces deux là, enfin de ces trois là, c'est la lune de mer, excellent je trouve, lune de mer et non pas lune de miel, c'est le requin-marteau et enfin le requin-baleine, et ça c'est énorme. Et on le trouve à un endroit en particulier. Mais cet endroit, je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que c'est quand même un gros spoil du jeu. De toute façon, je vous l'ai dit, il y aura du spoil dans le jeu. Je vais vous montrer, je pense, à la fin, un élément du jeu qui, à mon sens, est important, que vous allez découvrir, en fait, au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Mais quand vous le découvrez, j'ai envie de dire, ça change quand même pas mal de choses au niveau du jeu. Voilà, tout simplement. Je préfère quand même le dire, malgré tout. Allez, on va aller dans la supérette. Bonjour! Allez, c'est parti, on y va. Donc, faut savoir que au niveau de la prise en main et du gameplay, ça se passe bien. Franchement, bah, il n'y a pas de grands changements. Ah putain, super, il y a enfin le lance-pierre. Enfin, mais bordel, je l'attends depuis je sais pas combien de temps. Je prends. Ah ouais, parce que franchement, moi, ça me gavait à chaque fois. Non, m'explique pas, je sais comment ça marche. C'est bon, je gère. Parce qu'en fait, faut savoir qu'il y a des cadeaux qui volent parfois dans la ville et tu peux pas les choper tant que t'as pas le lance-pierre, le lance-patate, quoi. Enfin, c'est même pas un lance-patate, quoi. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, c'est sympa, ça. Un bain extérieur. Bon, 4000 clochettes. Allez, je prends, j'accepte. Moi, je suis sans pitié. Allez, je prends. Putain, c'est beau. Ouais, c'est cool. Alors ça, par contre, c'est de la merde. Pousse-toi, toi. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une lampe rayure, ouah, 2000 clochettes, non je ne veux pas, donc hop, je n'en veux pas de ton truc, c'est tout, sinon, bon la pelle, je la reprendrai, de toute façon je crois qu'elle est chez moi. Le gâteau de la chance, donc on va voir, hein, donc en fait ça prend les pièces de jeu, vous voyez les pièces quand vous fermez à votre console, et que vous l'utilisez pour marcher, etc, et que vous récupérez des pièces, bah voilà quoi, elles sont utilisées. Donc allez, je récupère tout ça. Non voilà, au niveau du gameplay, ils ont essayé quand même d'améliorer un petit peu tout ça avec justement donc le fait de pouvoir nager et tout ça. Après on garde vraiment plein de petites choses qui fonctionnent bien et qui sont dans l'esprit d'Animal Crossing. Donc là-dessus, pas de gros bouleversements, pas de gros changements. Vous voyez que ça ne change pas d'un iota et c'est tant mieux. Bon, le jeu est beau, hein. Honnêtement le jeu est beau. Oh, oh, oh. Mais je crois que je l'ai en fait, l'épée du héros. Numéro 50, je crois que je l'ai, je crois que c'est l'épée. L'épée de Link. L'épée du héros, les vilains débitent. Et en son sein, une princesse habite. Voilà. Je ne ferai pas de jeu de mots. Je n'ai pas envie de faire de vieux jeux de mots moisis. Allez, mon deuxième gâteau de la chance. On va voir un petit peu ce que ça donne. Attention, vas-y, mange-le! Ouais, c'est bien. Bon, vous avez vu, mon personnage est très beau, hein. Ah, j'ai récupéré notamment l'espèce de moustache et le nez de Mario, avec un turban et une espèce de chemise hawaïenne. Je voulais que tu sois hawaïenne. Et là, c'est magnifique. Alors, un trésor qui le pouvoir renferme et qui des problèmes amène. Oula, oula. Amène. Amène mon frère, amène ma sœur. Amen. Alléluia. Oh, c'est nul. Bon, bah, on va donner les prédictions et on va voir ce que donc Mélo va nous donner. Donc on va déjà regarder la prédiction 50. Donc je vous disais, ouais, le jeu vraiment est assez joli. N'en attendez rien de plus, franchement le jeu n'est pas non plus exceptionnellement beau, hein. Ça reste assez basique, vous le voyez de toute façon, le jeu reste très basique dans son fonctionnement, dans ses petits détails, etc. Bon, et honnêtement, faut quand même le dire, ils se sont pas cassés le cul. Ils se sont vraiment pas cassés le cul. C'est pas très beau non plus, quoi. Mais évidemment, c'est pas là où on attend le jeu. Mais quand même, quoi, t'attends un minimum, hein. Mais bon, c'est vrai que là, le minimum on l'a, je dis pas. Mais bon, un peu plus, j'aurais pas craché dans la soupe. Alors attention, j'ai gagné quoi? Oh, un masque de feuille. Oh putain, bon, c'est nul à chier. Oh, c'est vraiment nul à chier. Je m'attendais à plus que ça, honnêtement. Bon, bah c'est pas grave. Donc ensuite, mon autre prédiction. J'ai une autre prédiction, Mélo. Est-ce que je peux te donner ma prédiction? Voilà, prédiction 37. Allez, c'est parti, je lui donne. Et qu'est-ce que t'as à me donner? J'espère un beau truc, hein. Attention. Oh putain, ouah, oh mon dieu, oh c'est parfait, oh mon dieu que c'est beau, oh que c'est beau. Et quand t'es petit trop sans slipper, et quand t'es petit trop sans slipper. Eh, comme petit trousseau slipper. Oh putain, comment je suis super content. Une Triforce. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Émile Images, c'est énorme. Dédicace à toi, mon petit Hooper. Oh, franchement, c'est juste exceptionnel. Oh putain, je suis super content. La Triforce, quoi. Carrément, la Triforce. On la mettra dans la petite maison après, hein. On la mettra juste après parce que oh, j'ai envie de la voir, quoi. Oh, c'est génialissime. Bon, allez. Trêve de plaisanterie, on va aller à côté voir les sœurs Doigts de Fée qui portent bien leur nom, parce qu'en fait c'est un magasin de fringues. Fringues, il y a un petit peu de tout, pantalons, couvre-chef, etc., etc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Oh putain, que c'est moche. Ok, c'est moche. Ok, ça pue. D'accord, donc c'est bon, j'ai pas envie. Oui, non, c'est très moche, hein, faut le dire. La plupart du temps, les objets qu'on regarde, enfin qu'on voit dans le jeu, c'est vraiment d'une mocheté absolue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, ça c'est quoi ça? Un beau petit chapeau. Un chapeau d'écolier. Ouais, non. Ouais, c'est pas terrible. Oh putain, le casque à côté. C'est excellent ça. Un casque spatial. Combien il coûte? Ah, 2400. Mais t'es fou. Non, c'est bon. D'ailleurs, j'avais un autre couvre-chef. Je pense que je vais le mettre juste après. Je vais sortir et je vais le mettre comme ça. Ça va changer un petit peu ma tronche. Voilà. À l'aise chaussures. Ah d'accord, maintenant j'ai des chaussures. Bon bah d'accord, ok. Donc attendez, j'ai juste changé, je vais mettre celui-là. Et voilà, le petit bonnet marin. C'est magnifique. Bon allez, je vais voir à l'aise chaussures. Oui, parce qu'il faut savoir que certains magasins ne sont pas ouverts tout de suite. Il faut savoir que certains magasins ouvrent à 9h, 9h30, 10h. Oh, il est magnifique lui. Ouah, le président, serait-ce le maire? Ouais, Blaise à ton service. Blaise, mon bon Blaise. Non, en fait c'est Blaze. Blaze, mon bon Blaze. Bon, ok, les chaussures, j'irai voir ça un autre jour. On va dire que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Il faut quand même le préciser. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller voir quoi? On va peut-être aller voir ici. Ah oui, il y a aussi un petit truc à savoir. Voilà, le personnage qui est ici, en fait, fait partie du groupement de l'AJD qui permet en fait de visiter en fait les maisons des autres, et elles vont s'ajouter en fait directement à cet endroit là, donc ça c'est bien, j'ai trouvé ça intéressant. Là c'est la poste. La poste, ça permet donc notamment de rembourser les prêts pour Tom Nook, bien sûr, hein, vu que c'est l'agent immobilier, d'envoyer des lettres aussi, donc là Tom Nook pareil. Donc Tom Nook, c'est lui qui va vraiment gérer en fait tout ce qui est maison, devanture, boîte aux lettres, etc., etc. Et on a à côté donc l'autre petit mec juste à côté. Tu dois te réjouir, voilà, parlons chiffres. Et voilà combien je dois rembourser. 298 000 clochettes. Je peux vous dire que ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, je pense, ici. Donc voilà, il y a plein de petits motifs comme ça qui changent, hein, au fur et à mesure. Chaque jour, ça change. Et c'est ça aussi qui fait, je trouve, l'attrait du jeu. C'est qu'en fait, t'as l'impression que chaque jour, il y a des trucs nouveaux. Donc forcément, ça t'incite chaque jour à revenir. C'est pour ça qu'au niveau de la durée de vie, on peut pas vraiment parler de grosse durée de vie, entre guillemets, dans le sens où tu peux pas dire, voilà, je vais y passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 20 heures, 25 heures, 50 heures, 1000 heures, 1 million d'heures, ta vie entière. Tu peux pas vraiment en parler. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est un jeu à durée de vie infinie. Soit t'accroches et tu vas y jouer jusqu'au bout, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, soit t'accroches pas, et c'est mort. Voilà, donc c'est, je veux dire, c'est un petit peu ça, tout l'intérêt du jeu, le point positif et le point négatif aussi du titre. Pourquoi? Parce que bah, si t'accroches pas, c'est mort. Dès le début du jeu, de toute façon, si les premières heures t'arrives pas à accrocher, tu n'arrives pas à accepter en fait le principe du jeu, moi je vous le dis, hein, c'est vraiment mort direct, hein, vous n'allez pas apprécier le jeu à sa juste valeur. Donc voilà, je peux pas parler de durée de vie honnêtement sur le jeu. Je sais qu'honnêtement j'ai plus de 30 ou 40 heures dans le jeu, vraiment, parce que j'ai aimé, c'est vrai que je me suis pris dedans en fait, je me suis pris vraiment dans le jeu, vous voyez un petit peu à tous mes poissons, les poinçons, les requins, etc., etc. Je vous fais une petite visite du musée justement. Donc c'est vrai que moi je suis vraiment dedans, mais je me dis, jusque quand? Voilà, jusque quand? Parce que c'est vrai que j'avais déjà fait celui d'Animal Crossing sur DS, et il y a un moment donné, bah, je me suis lassé. Et ce qui fait qu'après, bah, j'y suis plus du tout revenu. Mais c'est-à-dire que ça s'est coupé net. C'est-à-dire qu'après, j'y suis pas revenu parce que j'en avais plus envie. Voilà, tout simplement, j'en avais plus envie. Donc ça, c'est le genre de truc qui fait un peu chier, il faut quand même le dire. Donc, soyez bien au courant de ça. Soit vous accrochez au jeu et tout fonctionnera comme sur des roulettes, et vous allez vraiment y revenir très souvent. Pas besoin d'y jouer 3 heures ou 4 heures à chaque fois durant tout le jeu. Vous n'en avez pas besoin. Il suffit simplement de jouer une petite heure, et puis voilà, c'est bon, il n'y a aucun problème. Donc après, c'est à vous de voir. Mais la grande question, c'est est-ce que vous allez accepter le titre. Voilà, cette façon de jouer, cette façon de progresser, cette façon de vraiment voir les choses, cette façon d'à chaque fois finalement de jouer de manière assez banale, assez basique et qui n'apporte finalement rien de plus, hein. Je pense qu'il faut d'abord l'essayer pour se convaincre de la chose. Voilà, il faut l'essayer avant tout. Donc si vous avez la possibilité de l'essayer, n'hésitez pas. En essayant, pourquoi pas, l'épisode sur GameCube, l'épisode sur Wii, l'épisode sur DS. Donc voilà, c'est à vous de voir après de toute façon. Donc bon, je récapitule pas tout ce qu'on peut faire dans le jeu parce qu'il y a plein de choses à faire. On peut pêcher, on peut récupérer des poissons, on peut choper des papillons, on peut ah oui, il y a aussi un autre personnage, c'est Gulliver, je crois qu'il s'appelle, qui parfois se retrouve sur la plage et qui va être perdu et va te faire un espèce de petit quiz. Et qui va en fait te dire bah où je dois aller. En fait, il sait plus où aller et tu dois lui dire où tu dois aller. C'est énorme. Donc alors, ma Triforce. La Triforce! Oh putain, c'est bon. Alors par contre, il faut la tourner. Ouais, d'accord, en fait, j'ai tourné la table. Bon, c'est pas grave. Voilà, la Triforce, elle est là. Magnifique. C'est parfait. Ok, c'est génial. Je la vends pas. Je ne vends pas cette Triforce, je la garde. Ah, c'est excellent. Non, puis en plus, ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a aussi du jeu en ligne, entre guillemets. Et le jeu en ligne, bah, c'est très simple, en fait. Tout simplement, vous allez... Donc, hop, je vais peut-être prendre ces... ma canne à pêche. Voilà, on va essayer de pêcher un petit peu. Bon, c'est vrai que je vous ai pas trop montré ce genre de truc, mais de toute façon, ça sert à rien non plus que je vous montre plein de choses, parce que aussi le but c'est de vous laisser la découverte de tout ça, mais je vais essayer quand même de vous pêcher un espèce de petit poisson. Alors par contre, est-ce qu'il y en a ici des poissons? Alors évidemment, il n'y a pas de poisson ici. Ah si, il y en a un là. Alors attention, je vais bien me mettre. Hop, vas-y, attention. Vas-y, vas-y, bouffe-le, bouffe-le. Oh merde, putain, je pensais qu'il allait le prendre. Ah, puis les poissons, honnêtement, à choper, c'est pas simple. Il faut vraiment faire attention parce qu'il faut être surtout très réactif. Parce que ça va assez vite. Ouh là, il y en a un gros là. Viens ici. Attention, je me tais. Voilà, c'est bon. Oh putain, tout juste. Magnifique. Alors c'est quoi? Oh, un bar commun. Oh, fait chier. Le bar commun, c'est de la merde. C'est vraiment... C'est comme son nom l'indique, c'est très commun. Voilà. Donc je sais plus ce que je disais. Bon, je ne sais plus. Ça m'échappe, mais je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez vu un petit peu comment fonctionne le jeu, si ça vous plaît ou pas. Je pense que de toute manière, c'est le genre de truc quand même qui fait vraiment plaisir. Et voilà. Moi, je trouve que le principe est extrêmement simple, extrêmement basique. Mais je trouve qu'il fonctionne toujours aussi bien. C'est vrai que je vais pas dire que les mecs se sont non plus déchirés pour ce jeu. C'est faux, hein, il faut quand même le dire. Les mecs se sont vraiment pas déchirés non plus pour faire un jeu exceptionnel. Mais le jeu reste bon. Voilà, je veux dire, le jeu reste bon quoi qu'il arrive. On sent qu'ils ont essayé quand même d'apporter des petites nouveautés, etc., etc. Avec la fonction de mer, avec... tous les à côté qu'il y a à faire, les trucs comme ça que tu vas récupérer, que tu vas les revendre à droite à gauche pour te faire des clochettes. La dimension sociale, évidemment, qui est très importante dans le jeu, qui va te permettre notamment en fait d'avoir encore plus de choses à dire avec les habitants. À chaque fois, ils vont te demander des trucs, tu vas pouvoir tisser des liens avec eux, etc., etc. Donc voilà, non, franchement, ça c'est vrai que c'est très bien. Il y a des nouveautés quand même dans le jeu, même si évidemment ça ne se bouscule pas au portillon, mais quand même ces nouveautés sont présentes. Donc là, j'ai juste porter le maillot, le maillot, le maillot, le maillot. Oui, je sais, j'ai un très beau maillot. On va essayer de nager un petit peu. Et ensuite, je vais vous montrer donc le petit truc qu'il y a. Donc, sauf que il faut d'abord que j'enlève ça. Et on y va. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. On va aller nager un petit peu. Non, franchement... Moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé, et que j'aime bien, hein, de toute façon, c'est vrai que j'aime bien. Je conseille ce jeu, bien sûr, à ceux qui aiment, de toute façon, déjà de base, les Animal Crossing, parce que je pense que de toute façon, vous ne serez pas dépaysés. Ça me paraît évident. Steve Savidan. Ça me paraît évident parce que voilà, on garde le même principe, la même façon de faire, le même délire, le même truc, et moi je trouve que ça fonctionne bien. Alors maintenant, je suis pas totalement conquis non plus par le jeu, hein, je préfère le dire. Moi je trouve que par exemple au niveau des arrêtés et des travaux publics, il n'y en a pas non plus énormément. Je trouve qu'ils auraient pu quand même proposer beaucoup plus de choses. Certes, il y a des milliers et des milliers d'objets à récupérer, hein, que ce soit des vêtements, des chaussures, des pantalons, plein d'objets comme ça. Donc c'est très bien, je dis pas, il n'y a pas de souci, hein. Mais je trouve que pour le reste, bon, il y a HeroCard, Mastercard, mais pour le reste, je trouve que c'est pas non plus exceptionnel. En tout cas, pour la dimension du maire, je trouve que cette dimension-là, elle n'est pas non plus vraiment maîtrisée. Je trouve que elle est assez basique, et c'est ça que je regrette un petit peu finalement au niveau du jeu, parce qu'ils auraient pu quand même proposer quelque chose de plus. Et là, bah, c'est pas le cas. On s'arrête au fait finalement à quelque chose d'assez banal et qui ne va pas encore plus en profondeur. Voilà, de la dimension de maire, des responsabilités que le maire doit avoir. Alors évidemment, je sais que ça s'adresse à un public assez jeune, bien sûr, mais pourquoi pas proposer une dimension plus économique, par exemple, ça aurait été pas mal. Bon là, du coup, c'est géré de manière assez classique, par exemple. Ben, j'aurais bien aimé que ça soit un peu mieux géré. Bon, mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est les regrets que j'ai. Après, évidemment, pour moi, le principal défaut, entre guillemets, si on peut appeler ça un défaut, ben, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on va accrocher ? Et eh ben voilà, est-ce qu'on va accrocher? Bah ça, j'ai envie de dire, c'est la grande question. Et jusque quand? Je veux dire, là pour l'instant, j'adore le jeu, hein. Je trouve vraiment excellent, enfin je trouve vraiment très bien et tout ça, mais jusqu'au moment où je serai lassé. Et je me dis, mais ce moment, il arrivera quand? Ben je sais pas. Je sais pas. Donc j'ai envie de dire, tant que ça dure, tant mieux. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais finir par être lassé. Oui, il y a un temps de merde, hein, il faut le dire. Je sais qu'à un moment donné, je vais être lassé. Maintenant, la question, c'est quand? Parce que c'est le genre de jeu, malheureusement, tant que tu as des objectifs à réaliser, t'es pas lassé, parce que tu te dis chaque jour, bon bah voilà, je vais faire ça, aujourd'hui je fais ça pendant une heure à peu près. Puis après, il y a un moment donné, tu te dis, bon bah voilà, maintenant j'ai fait mes objectifs principaux, bah maintenant je fais quoi? Bah voilà, c'est vraiment pour moi la grosse question, mais je peux pas répondre à votre place. Je peux pas vous dire, bah voilà, vous allez être lassé ou pas. Ça dépend réellement de vous. Donc si j'ai un conseil à vous donner, essayez d'abord Animal Crossing. Si vous accrochez, vous pouvez être sûr que vous allez accrocher à celui-là. Si vous n'accrochez pas déjà aux anciens, c'est même pas la peine de se mettre sur celui-là. C'est clair, c'est même pas la peine du tout. Je préfère le dire. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'est un bon jeu, je vous le conseille. C'est pas pour moi, à mon sens, pour moi le jeu entre guillemets, le jeu qui va, à mon sens, peut-être vous faire changer d'avis ou quoi que ce soit, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas vraiment dans le titre. Le principe est hautement répétitif de toute façon et assez basique sur les fonctions de maire notamment qui ont été mises en place. Ça manque aussi un petit peu d'originalité, ça manque aussi un petit peu de surprise et tout ça, mais honnêtement, si vous aimez ce genre de jeu, je pense que vous allez vous éclater. Et donc, je vais vous montrer une chose, mais sans aller trop dans le détail. Je vais vous montrer quelque chose que vous débloquez après. Donc là, attention, spoil! Donc, si vous ne voulez pas regarder, vous pouvez dès à présent éteindre la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Et ce qui suit est vraiment excellent, et je ferme ma gueule. Et donc voilà, on se retrouve en fait tout simplement sur une île. Et sur cette île, on va pouvoir tout simplement faire des excursions. Donc c'est des espèces de petits mini-jeux qu'on aura à faire, et ces mini-jeux en fait vont vous servir notamment à récupérer des espèces de petites médailles ou de petites pièces, mais typiques en fait de cette île là. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que ça, justement, ça densifie encore plus le jeu, parce que du coup on est amené à y venir très souvent sur cette île. Et voilà, bah vous voyez, c'est là où j'ai eu justement ma petite chemise. Et donc quand on va juste ici, eh bien, on a une petite île pour nous, et c'est là où on peut récupérer donc des choses que d'habitude on ne trouve pas ailleurs. C'est là où on va pouvoir pêcher notamment des gros requins, des gros poissons, et c'est là où justement, c'est là où vous allez pouvoir vous faire le plein de clochettes. Eh bien, voilà. Je voulais vous montrer ça, donc maintenant vous savez que si vous l'avez vu, ben, c'était du spoil, hein, forcément, mais je vous avais bien prévenu. Et je peux vous dire que quand vous voyez ça la première fois, c'est juste excellent. Donc voilà, cette fois-ci, on va vraiment se laisser là-dessus. Donc j'insiste une fois de plus, hein, c'est un bon jeu, c'est une bonne aventure, c'est le genre de jeu honnêtement qui arrive très bien chez nous, qui arrive à point nommé, hein, de toute façon, parce que forcément, ça va être les grandes vacances. Donc c'est le genre de jeu qui va, je pense, plaire à beaucoup de gens, et en tout cas qui aiment justement ce genre de petite simulation de vie, entre guillemets. Même si je suis pas totalement emballé par le titre, pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant, avec notamment une technique qui aurait pu être quand même un peu plus jolie, je trouve, hein. Eh bien, bah, ça reste quand même une valeur sûre de la 3DS pour ces grandes vacances et pour les années à venir. Voilà, allez, ciao tout le monde et à la prochaine.